Hi Asian Lovers, salut salut les Asian Lovers. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 5 des K-dramas de mai-juin 2018. Alors c'est parti. En première position, j'ai mis What's Wrong with Secretary Kim. Parce que l'actrice principale, Kim Nana, qui a joué dans City Hunter, est vraiment une actrice qui gouverne dans ce drama. Elle a un poste de secrétaire, donc qui gère tout l'emploi du temps du boss. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Le deuxième drama que je vous recommande, c'est Sketch avec B-Rain. Après la sortie de son nouvel album, lorsqu'il a fait son comeback et son mariage, il revient enfin dans le monde des K-dramas avec Sketch. C'est vrai qu'il était dans My Lovely Girl, mais ça fait déjà un moment, ça fait quelques années, qu'il n'avait pas joué à nouveau dans un K-drama. Donc j'ai hâte d'y être. Le troisième K-drama est Lawless Lawyer, un avocat sans loi. Les acteurs qui jouent dans ce K-drama sont assez connus. Lee Jong-gi, qui a joué dans Moon Scarlet et dans 2X. Alors, j'étais vraiment intéressée de voir un nouveau K-drama avec lui en acteur principal. On verra ce que ça donne. En quatrième position, je mets Miss Amurabi avec l'actrice principale de Black parce qu'elle a un caractère, une voix, une façon de jouer qui est vraiment naturelle et que j'apprécie beaucoup chez elle. Et enfin, en cinquième position, j'ai mis The Undateable avec Won Joon-ho, désolé j'ai écrit, en personnage principal et avec l'acteur principal de Kong Shim. J'espère que ce top 5 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour toujours plus de vidéos avec Asia My Love. Annyeong les Asian Lovers.